comment se passent les premiers jours ici au club? Oh, les premiers jours, ils sont bien. J'ai rentré avec le groupe, il m'a parlé le coach bien. J'ai intégré avec le groupe, il y a des bons joueurs ici, super ici. Il y a des gentils joueurs comme Youssef Blayli et Haris Kabla. Tous les joueurs, ils sont bien avec moi. J'espère que tout va bien. Pourquoi rejoindre le championnat français? C'était une envie particulière de rejoindre la Ligue 1? Oui, j'ai choisi le Stade Brestois. C'est une bonne équipe. Ils ont fait des bons recrutements. Ils ont fait l'année dernière une bonne saison. C'est l'équipe qui va m'aider à progresser et de me ramener et de m'aider dans ma carrière. C'est un challenge, tu vois ça comme un challenge pour toi, la Ligue 1? Oui, c'est un challenge. Je vais bien travailler pour aider l'équipe et pour je serai bien et pour partir à l'équipe nationale A pour m'aider mon pays. Pour la Coupe du Monde. Tu as un regard sur cette première division française? Comment tu la perçois de l'extérieur? Oui, je regarde la Ligue 1. Je regarde plusieurs équipes comme Paris Saint-Germain, Marseille, Lens. Je vais donner le maximum pour qu'il soit le public de Stade Brestois fier de moi. Merci. Tu parlais de la Coupe du Monde. Est-ce que c'est un objectif clair pour toi? Oui, bien sûr. C'est un objectif pour moi. Je vais bien travailler pour partir à la Coupe du Monde. Je vais donner le maximum. Et moi, j'ai parti à l'équipe nationale A. J'ai joué avec eux. Moi, j'espère que tout va bien et je vais bien progresser ici pour partir pour m'aider mon pays pour il fait un bon coupe du monde. Ton arrivée a mis du temps à se dessiner. Est-ce que tu étais perturbé par ça ou pas du tout? Non, pas du tout. Moi, j'aime l'Europe. Je vais progresser bien pour être bien et pour qu'il soit le public de ma Europe fier de moi. Est-ce que tu peux nous parler un peu de ton style de jeu, de profil de joueur que tu es? Ouais, mon style de jeu, je suis trop agressif dans mon jeu. Je suis bien dans les duels, je suis bien dans le jeu de tête. Et le coach, il m'a parlé bien. J'aime le côté sportif du club. Dans le... Tu es axial, défenseur axial, tu as une préférence sur un côté droit, gauche ou tu peux jouer sur les deux côtés? Ouais, j'aime jouer au côté droit, c'est super là-bas. Mais le coach, s'il me dit joue à gauche ou bien à droite, c'est bien, c'est bien. Il y avait Angers qui était aussi intéressé pour t'avoir. Pourquoi Brest? Ouais, il y a la plage ici. Non. J'ai décidé de venir ici. Il m'a parlé le coach, il m'a expliqué le projet de club. Moi, je me suis intéressé et j'ai choisi Brest, c'est pour ça. Est-ce que le fait que lui ait été défenseur central aussi dans sa carrière, ça a joué aussi pour l'évolution, aussi pour ton futur? Oui, le coach il m'a parlé bien. Il m'a dit, tu viens, tu vas jouer, moi j'aime ton style de jeu. J'espère que je serai bien ici et je vais donner le maximum pour ce club. Tu étais adoré aussi par les supporters à Casablanca. Est-ce que c'était compliqué de partir de quitter ce public-là aussi? Oui, c'était compliqué. Moi, j'ai fait ma formation au club de Wydad. J'ai joué mon premier match à l'âge de 18 ans. J'ai tout donné pour ce club. J'ai gagné tous les titres nationaux en Afrique. J'ai joué le dernier match, j'étais très triste. Ils ont fait une chifou, je ne vais pas oublier dans toute ma vie. Et est-ce que tu sais pourquoi ils t'appréciaient particulièrement là-bas? Bien sûr, moi j'ai donné tout pour ce club. J'ai donné le maximum. Louis Dade reste un grand club, mais c'est ça la vie. Je dois changer, je dois voir en plus haut. Et c'est ça. Et je vais donner le maximum pour ce club, pour être à la hauteur. Tu parlais de tes qualités, jeu aérien, duel. Quels sont tes axes de progression? Est-ce qu'il y a des axes que tu dois t'améliorer?
travailler pour la sortie de balle. C'est ça. Je joue trop agressif dans mon jeu. Je suis bien dans les duels. Je vais me progresser. Si le coach il veut quelque chose, je vais la travailler bien. On connaît Achraf Naïef Aguerd aussi en France, qui est passé par Rennes, Dijon. Est-ce que tu l'as questionné avant? Est-ce que tu lui as demandé son point de vue sur la Ligue 1? Est-ce que tu t'es renseigné aussi avec lui? Oui, il m'a parlé. Naïef Aguerd, c'est un bon joueur. Il a joué avec moi en équipe nationale. Il m'a parlé, il m'a dit, t'inquiète, tout va bien là-bas, tu vas te progresser, tu vas jouer. Moi, j'ai entendu à ça. Je lui ai dit merci beaucoup. Je lui ai dit, on se voit, Inch'Allah, dans l'équipe nationale pour donner le maximum pour notre pays. Tu es jeune, tu as 23 ans, tu es ambitieux. Quel genre de joueur tu veux être dans 2, 3, 4, 5 ans J'aime Sergio Ramos. Je vais travailler bien pour être comme lui, ou bien mieux que lui. Ouais, c'est ça le foot. Inch'Allah, j'espère que je vais être bien ici à Brest.